Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un challenge avec des mixisettes, me maquiller sans les bras. Donc aujourd'hui on va faire un tuto maquillage pour la vie de tous les jours. C'est parti! Je vais commencer par mon fond de teint Sephora. Voilà, discrètement, petit visage. Voilà. Je pense que c'est super. Là on est bien, on part sur une bonne base. Donc ensuite je vais prendre mon criolant teinte claire. J'en mets sur mon éclair, voilà. Pour éclaircir le regard. De l'autre côté, j'aime bien que mon nez en même temps. Voilà, je décerne jusqu'au joues. Je tamponne pour pas que ça soit trop voyant en fait. Ça reste discret. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. C'est super. On va prendre notre poudre libre pour l'étaler sur le visage. Voilà. Ah, ça va aller un peu. C'est maquillé en parlant, c'est très compliqué. Il fait bonne mine. On dirait que je suis pas du tout maquillée. Je vais faire mon contour avec Sephora. Toujours. Et là, on joue sur l'effet de lumière. La bouche en cou de poule. Hop là. De l'autre côté. Symétrie, toujours. Le nez, parce que je trouve que j'ai un plus beau nez quand j'ai mis le contouring. Voilà, le nez là jusqu'au là. Les dents. Pour un effet jaunâtre. Alors aujourd'hui, je vais faire ça, ouais, parce que la mèche là, elle m'a saoulée. Je vais faire un smokey eyes. Donc j'ai pris une teinte noire de chez Kiko que je vais appliquer sur les paupières en dégradé, quoi. Voilà, je suis une pro. Et on applique au pinceau avec délicatesse et pudeur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que ça prononce le regard. On voit beaucoup mieux mon regard après. Voilà. Discret. On va passer à l'eyeliner maintenant. Donc là, il faut beaucoup de concentration. Et après, son côté, c'est bien les yeux. Ça fait des yeux de chat. Des félins. Je pars du centre pour aller vers l'extérieur. Hop. Et là on a quelque chose de mignon, si je puis dire. Ensuite on va mettre bien entendu le mascara. Aïe, je me suis mis le mascara dans l'œil. Je suis sotte. Alors le mascara de Too Faced que j'adore, j'adore ce mascara, je vous le conseille. Vous allez voir qu'il donne un effet Hop. Hop là. Voilà. Waouh, j'adore. Voilà, ça agrandit le regard. En fait, je sais pas si vous voyez. On va mettre l'illuminateur qu'on n'oublie jamais. Maintenant, vous le savez, on ne se maquille pas sans l'illuminateur. Allez, c'est parti. Un peu plus maintenant. Un peu dégoûté. Voilà. Et sur la zone T. On passe aux choses sérieuses, à ne jamais oublier le rouge à lèvres. Donc aujourd'hui pour vous, j'ai choisi le rouge à lèvres de Last Flash qui s'appelle Ravensclaw. Voilà, j'ai un très bel accent. Voilà, ma mèche me gêne, ça me met à... Oh. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir, la couleur est idéale pour un smokey eyes comme celui-là. Oh, je parle trop. Oh. Et un sourire de fer. Voilà, je pense qu'on est bien. Et qu'est-ce qu'il faut pas oublier? La dernière étape, le fixateur. Alors, le fixateur de chez MAC. MAC, excusez-moi. On fixe bien tout ça. Ah,
trop vite. Ça fait un effet mouillé, mais ensuite ça sèche et on a le résultat final pour que ça dure toute la journée. C'est super. Voilà, mon make-up est terminé. Si vous avez aimé ce make-up et que vous voulez le reproduire chez vous, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir et ça me toucherait. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur ma chaîne make-up. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup d'entraînement. Est-ce que Demis Reset veut voir son maquillage? Vous avez vu ce que vous avez fait? Et moi? Est-ce que vous trouvez ça joli? Et voilà, on a un maquillage de soirée. Mais moi, ça me va bien. Non? Avec un beau sourire. On peut même faire un contouring des dents, c'est génial. Pour les affiner. Allez, bisous, à la semaine prochaine.